Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur notre page Facebook en direct aujourd'hui et sur notre chaîne YouTube simultanément. Eh ouais, c'est ça, la classe, il paraît. Hein? Yes. Je suis très content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 26 novembre et on est dans l'émission, restons... couverts. Voilà, absolument, allez, je vous présente vite fait mes chroniqueurs et à la fin, seulement à la fin, nos invités. Aujourd'hui, nous avons Bonap, alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Bonap, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Bonjour. Ah, attends, t'as fait partie de ce compas de micro, c'est ça? Oui. Ah, ou c'est un petit peu. Mais non, mais ça va. Ça va. Comment tout va bien? Ça va. Absolument. Oui, c'est parfait. J'ai reçu un communiqué. Ah, d'accord. Ok. Je l'ai déjà en avance. Très bien. Bah, pour une fois, il arrive à l'heure. C'est le cas de le dire. Juste à côté de toi, nous avons Salomé. Salomé, on va parler de quelle expression aujourd'hui? Enfin, tout du moins. Alors aujourd'hui, le thème des expressions, c'est les prénoms. Ouais. Et l'expression que le public doit essayer de deviner. Trouver l'origine, c'est gros gens comme devant. Gros gens comme devant. Gros gens comme devant. Wow. Wow. Ça vous parle, ça? Gros gens comme devant, c'est l'expression. Ok, très bien. Donc, messieurs, dames, vous avez une expression dont il faut nous trouver là. L'origine, c'est gros gens comme devant. La signification. Et voilà. L'origine. On est mal barré. Tout va bien, Salomé? Exact. Très bien. De l'autre côté, nous avons donc Johan. Johan, comment ça va, Johan? Ça va super. Ça va super et vous? ça va super. Johan, alors. On se voit maintenant. C'est vrai qu'on avait dit. Regardez bien le visage de Johan, messieurs dames. Reste bien sur le visage de Johan. Voilà, Johan, parce qu'il a rencontré tout à l'heure un de notre invité d'aujourd'hui. Donc regardez bien sa tête. Voilà, il se peut que ça change pendant l'émission. Johan, tu vas nous parler de quoi? Je vais parler d'une application pour le GPS, une application pour les téléphones. C'est un GPS en fait révolutionnaire qui change tout. Oubliez Google Maps, oubliez tout. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Très bien. Et ben à côté de toi, nous avons donc Florian. Florian, comment ça va? Le roi des animaux. Ça va très bien. Florian, c'est le roi des animaux sauvages. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Thanksgiving. Vous aurez l'occasion de me voir lors de la première partie de l'émission. Et après, je laisse ma place à Paf, à côté de moi. Très bien. Donc, la dinde de ce Thanksgiving, ça sera toi, cette année. Exactement. Très bien. Moi, ça me va. Et puis, alors, nos invités, évidemment, exceptionnels. On commence par les dames. Évidemment, nous avons la chance d'avoir Corinne Balsam. Comment ça va, Corinne? Ça va, Miguel. Merci. Bonjour à tout le monde. Très, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ah bah absolument. Moi, je suis très content. T'es venue ici parce que il y a eu un appel aux dons qui a été lancé par une association, et cette association s'appelle United Rider. Tout à fait. Voilà, nos amis motards. Exact. C'est comme ça qu'on dit, hein, nos amis motards. Voilà. Carrément. Qui, systématiquement, quand il y a quelque chose, en tous les cas, une bonne œuvre à faire, ils sont les premiers à répondre. Ils sont présents. Présents. Et franchement, chapeau, parce qu'ils font un job d'enfer pour les plus démunis. Et absolument. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des gens et de la solidarité, surtout en ce moment, quoi. Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Et en face de toi, on a notre artiste qui nous vient, qui traverse la France, voire même l'Europe sur tout son spectacle, sa tournée, etc. etc. Wow, wow. Sa voiture. Voilà, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, mon avis, il va vous dire quelque chose. Regardez bien son visage, il s'agit de Johnny Mile. Comment ça va, Johnny Mile? Ça va? Parfait. Très bien, parfait. Voilà, donc il est mentaliste, magicien, automate et hypnotiseur. Tout ça dans un seul corps. Oui. J'ai un corsage, donc voilà. Un corsage. Et on parlera justement de votre cas. Très sain. Oui, absolument. On parlera évidemment de ce que vous faites, de votre métier, de votre vie, qui est, ma foi, la vraie vie d'un saltimbanque. Eh oui, un saltimbanque des temps modernes. Absolument. On en parlera dans quelques minutes. Merci, Johnny. Alors. On va se tutoyer, ça vous va, Corinne? Johnny, ça va? C'est comme tu voudras, vous savez, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, je vais faire comme ça avec vous, si tu veux bien. Voilà. Eh bien, super. Johnny, tu interviens quand tu veux, tu joues avec nous quand tu veux. Tu vas nous faire des tours de magie, tu nous as préparé quelque chose avec Johan également. Est-ce que je mets tout le monde sous hypnose maintenant? On attend un peu. On va attendre un petit peu. Un petit peu. Déjà, un, ça suffit. J'ai déjà changé de tête. Pour moi, hors antenne. C'est ça, hors antenne. Et on commence. J'ai déjà changé de tête. Remarque, il n'y a pas que Johan. Changer de tête aussi. Toi, t'as changé de tête, oui. C'est vrai que t'as attaché tes cheveux. Pour pas qu'on me les coupe. C'est-à-dire qu'on prépare la future coiffeuse qui doit venir te couper les cheveux. J'ai demandé à lui de faire oublier de faire couper les cheveux. D'accord. Tu tiens un commerce? Tout à fait, un bar tabac à Sens, dans la rue Victor Guichard. Tu peux donner le nom? Le Caluan. Le Caluan, voilà, absolument pas facile. Une expression fière comme un bar tabac, quoi. Exactement. On peut dire aussi. ça commence bien. Ça va tailler dur, je pense. Merci, on applaudit très fort. Johan, évidemment, Florian. Voilà, oui, je la fais à chaque fois, je le sais. est-ce que vous allez manger de la dinde à Noël, Johnny? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non, mais j'attends pas forcément Noël. Pour manger de la dinde. Pour manger une dinde. Ouais, on est bien d'accord. Pour Noël. Pas forcément prévu encore, mais bon, on verra.
Bon, les autres, il y a quelque chose de prévu. Bah, un dindon, il faut déjà un four. ça fait quoi, 15 kilos, 20 kilos? Ah, t'en as des plus petites, oui, t'en as des plus petites. Non. C'est vrai que c'est gros. Bon, ah, allez, merci beaucoup, Florian, en tous les cas, pour ta chronique. Demain, on parlera de quoi? Ah, demain, on parlera de poisson et je vous ferai peut-être rencontrer l'animal le plus sympathique du monde. Le plus heureux du monde, même. C'est qui vit dans l'eau? Rien que ça. Alors, le poisson, il vit dans l'eau, mais l'autre animal vit sur terre. Ah non, parce que là, tu vois, j'ai le coup de prof. Ok, merci beaucoup. On passe tout de suite à notre invité de nouveau. Alors là, on a deux invités, mais là, on va passer à notre invité artistique. L'invité du jour, culturel. Hey, ben oui, j'aime bien mon jingle. Vous n'aimez pas le jingle? C'est bien, hein. Lui, il est dans le jingle. Moi, mais... Johnny Mal. C'est ton tour aujourd'hui. C'est moi, ouais. C'est toi. Je suis donc, je le redis, mentaliste, magicien, automate, hypnotiseur. C'est ça. Et ça fait combien d'années que ta carrière a démarré? Ça fait quoi, une vingtaine d'années? Ah, bon, bah alors... En attendant, va être long. Magicien. si tu peux parler en même temps, ça serait bien. En fait, ça m'est venu à l'âge de 12 ans, mais j'ai officiellement commencé à l'âge de 22 ans. D'accord, ta carrière professionnelle. Voilà. À l'âge de 22 ans, et t'as démarré par quoi? Plutôt du mime? Plutôt j'ai commencé par le mime, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, tu t'es formé sur... J'ai commencé par le spectacle de rue, parce que je suis avant tout un saltimbanque. Absolument. Un saltimbanque des temps modernes, donc qui vit en camping-car. C'est pour ça que tu dis saltimbanque des temps modernes? Oui, parce que saltimbanque, c'était la charrette, quoi. Donc ouais, c'est Molière se balader avec son petit théâtre et c'est... Et oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, ouais, Molière a fait ça aussi. Ah bah, c'était le premier. Ouais, c'était le premier, c'était le premier. donc, effectivement, tu l'as dit, saltimbanque des temps modernes, parce que tu te balades avec ton camping-car qui est ta maison. Eh oui. Alors ça, c'est un état d'esprit aussi. Eh oui. C'est un peu circassien, je dirais presque. Si tu le dis. Mais... ils se promènent toujours avec, voilà, ils sont toujours sur la route, ils vivent dans leur caravane, ils vivent dans leur cirque. C'est ça, je n'ai pas de domicile fixe. D'accord, très bien. Donc, si on veut t'envoyer un courrier, on est dans la merde. Quoi. C'est que tu veux dire. Bah, il existe Internet. Hein. Il existe Internet. Bah, mais alors, comment tu fais pour les impôts? Tu vois, hop là. Bah non, j'ai pas d'adresse. Il faut que tu me donnes ton truc. Je sais plus. Les pots. Les apéros. Boire un pot. Voilà, je me disais aussi. Donc, la dernière chose que tu as prise sur ta formation, puisque là, il y en a beaucoup quand même. Donc, tu as commencé effectivement en faisant en étant automate. Ouais. Ensuite, tu as été quoi? Plutôt magicien. C'est un agriculteur, ça? Un magicien automate? Oui, bah, t'as les tomates le matin et puis... Ça va être très long. Oui, ça va être très long. D'ailleurs, c'est une blague, parce que quand je faisais mon spectacle d'automate dans la rue, j'offrais 10 000 euros à qui réussissait à me faire rire sans me toucher. Ah et ouais. Donc, il y a un enfant qui a essayé de me faire rire. Il m'a dit « Allô, tomate, il citrouille ». J'ai trouvé ça trop mignon. Et à la rigueur, c'est peut-être le seul qui aurait réussi à me faire rire. J'ai tellement trouvé ça mignon parce que, voilà. Et donc, c'est juste la parenthèse. Oui, bah, un peu long comme parenthèse. Merci, Bonnard. Si tu interromps les gens juste pour ça, tu me le dis. Hein. Ouais, je sais pas, c'est pour me renseigner. Magicien. Donc, je t'ai fait rire, donc on verra plus tard. Oui, mais le deal n'était pas en place. Voilà. Tout ça, c'est de la formation. On apprend quand même le métier. Oui, alors je ne sais pas si je dois te regarder ou regarder là, du coup. Parce tu me regardes, moi, c'est une conversation entre nous. D'accord. Parce que d'accord, quand okay. Tu veux parler aux gens, tu regardes effectivement. Oui, d'accord. Okay. Du coup, j'étais un petit peu... Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, la question. La question, tu as commencé déjà comme automate. Oui. Et ensuite, tu t'es formé comme... Alors, j'ai commencé automate et après, je me suis mis au fakirisme. Au fakirisme. Ouais. C'est-à-dire, j'avais une envie comme ça un matin. Je me suis dit, tiens, j'ai appelé un pote, j'ai dit, écoute, j'ai envie que tu me roules dessus avec ta voiture. D'accord. Il m'a dit oui. 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 Et il t'a dit oui, donc déjà, c'est pas un pote. Hein. Voilà. Et comme on était dans les légumes, c'était un potager, donc il avait de l'âge, mais bon. Et donc, il est venu. Et donc... Oh, je le savais que ça allait pas être facile aujourd'hui. Mais bravo, faut les faire. Et on a fait un essai. Et puis j'ai aussi fait fabriquer un lit de barbelé où je me mettais torse nu, je faisais monter trois personnes sur moi. Et un autre numéro où je cassais des bouteilles de vin par terre, je me mettais torse nu dessus. Sur les bouteilles. Et une personne me cassait un parpaing, un coup de main sur la poitrine. Et deux personnes montaient après sur moi. Donc c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tu fais des choses pareilles, Johnny? Tu vas te faire mal. Bah, c'est le vin, il disait, il casse le vin avant, après on filme. Oui, voilà, c'est ça. Ah d'accord. Mais okay. Une envie comme ça. J'écoute mon instinct, mon envie. Et donc je me suis mis au fakirisme et cracheur de feu aussi. J'étais cracheur de feu. Et donc après je me suis mis à la magie.
Et après, je me suis mis au mentalisme, à l'hypnose. Et donc, voilà. Tout ça, c'est venu après, au fur et à mesure de ta carrière, l'envie de... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et bien, justement, je vous propose de regarder une petite vidéo qui dure une minute trente, de tout ce que ce monsieur a fait, puis en plus, il est passé un incroyable talent. Ouais, ouais, bah ouais. Et puis pas que, hein, y a d'autres émissions aussi. Regardez ce que ça donne. Bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Pour un détail hypnotique, vous allez pouvoir vous lever et danser car c'est après-midi discothèque. Et on se lève maintenant et on danse. C'est un concours de danse. Il y aura 10 000 euros au meilleur danseur. Bon, il n'y a peut-être pas de musique, monsieur. Eh ben alors là, ça promet. Non mais je vais aller donner ma démission, je pense que. Allô. Quelqu'un? Allez, Gilbert, essaye de le faire rire! Ça marche pas. Bon. Le malade! D'accord, ok, bah écoute, rien que pour... Bravo, bah plaisir. J'ai même pas regardé, on était figés sur la vidéo. Bravo, je m'applaudis. Bah, applaudis, c'est important. Je m'étais pas vu, donc. Ça s'est bien passé, incroyable talent? Alors... J'ai été surpris par l'accueil de la production. De la production, vraiment sympathique. Vraiment, vraiment un accueil chaleureux, vraiment au top. Ouais, t'as fait combien de passages? Juste un. Eh ben super, voilà. Ça suffit pour Bridou, se remarquer. Ouais. Bridou, c'est ça. Voilà, oui. on va toutes les avoir. Voilà. Voilà, on va... Ah bah oui, Coco, je suis désolé, je t'avais dit de venir dans mon univers, tu vas voir. C'est... Ah, j'ai compris. T'as compris le truc. Johnny, évidemment, tu as un spectacle, j'imagine, qui se renouvelle à peu près tous les 2-3 ans, c'est ça, à peu près? Oui, ça dépend du contexte. Hein. En ce moment, ça ne se renouvelle pas du tout. Non, ce qui se renouvelle en ce moment, on ne sait pas d'ailleurs ce qui se renouvelle. Peut-être nous, on se renouvelle, on ne sait pas. Oui, mais en général, c'est plutôt 3 ans, 2 ans. Tu n'es pas obligé de m'appeler mon général. Hein, Oui, d'accord, très bien. Donc, ouais, ça dépend. C'est, tout d'un coup, j'ai une idée de faire un nouveau tour, une idée de faire des nouvelles choses. Voilà, ça vient comme ça, sans préméditer. Voilà. D'accord. Et quand on est sur des années normales, on va dire, pas comme cette année, tu fais combien de spectacles dans l'année? Ça dépend, ça peut aller de 50, 60, 70. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Ouais. Et tout ça, pareil, boum, on t'appelle, on t'envoie un mail, puisque tu es sur la route, en tant que conducteur. J'ai un site qui est bien référencé, puis après, de bouche à oreille, ou de bouche à bouche, mais ça, c'est autre chose. Mais, donc, voilà. Eh bien, Johnny Mal, justement, il va évidemment nous faire un petit tour de magie dans quelques minutes. Ça sera, enfin, un petit tour à lui, hein, il fera ce qu'il voudra d'abord. Magie, oui. Mais par contre, voilà, on va démarrer par l'hypnose, parce que ce qui s'est passé juste avant l'émission, c'est que j'ai retrouvé des gens par terre, au milieu du plateau. Ça m'a fait peur. Et je crois qu'effectivement... Tout va bien, Johan, ça va. Ça va nickel. Parce que je crois que voilà, le plus réceptif d'entre nous, parce qu'il a été très rapide, Johnny, il est arrivé voilà, comme un cheveu sur la soupe, on lui a demandé « tu peux pas !» et tout de suite il a fait. Et Johan, tout va bien, toi? Ça va. Voilà, il me semble qu'il s'est passé quelque chose, Johnny, avec Johan. Oui, tout à fait. Donc, Johan, si tu peux venir ici, tu peux venir avec ta chaise, peut-être t'asseoir, ton tabouret, voilà. Essayez de garder au minimum les distances, si vous pouvez. Hein. Oui, oui. Sinon, il faut mettre le masque. On va pas dépasser les 2 cm. C'est ça, voilà, ça serait sympa. Voilà, ouais. Mais moi, par auto-hypnose, j'arrive à enlever le virus, bien sûr. Fais gaffe à ce que tu dis, tout le monde va le croire. Hein. Si tu dis aujourd'hui, il y a moindre truc, on le croit. Ah oui, mais il faut savoir que l'hypnose, ça fortifie le système immunitaire. Alors, j'avais donc dit à Johan tout à l'heure, j'avais donc programmé Johan sous hypnose et je lui avais dit une des choses, c'était à un mot, éclipse. Éclipse, maintenant. Voilà. Mais non. Non, là il dit. Voilà. Donc là, il est sous hypnose, maintenant. Voilà, éclipse, voilà. Et je lui avais programmé aussi autre chose, je lui avais dit que si
j'énonçais le mot, enfin le nom de la chaîne, Comcom. Il se passait quelque chose. Comcom. Et je lui ai fait la suggestion suivante, qu'il allait se mettre à rire. Comcom. Là, on peut lui dire ce qu'on veut. Il n'y a que toi qui peux lui parler. Voilà, tout à fait. Tu peux lui parler. Il y a moi qui peux lui parler. Il est conditionné avec ma voix. Si je dis, par exemple, Johnny, il est conditionné avec ta voix. Voilà, c'est d'accord, ça. Il est conditionné avec ma voix, donc il t'entend sans t'entendre. D'accord. Et il répond donc à ma voix. Donc, d'accord. Donc là, je vais compter à 3. Au chiffre 3, tu vas reprendre ton apparence normale, te réveiller, te sentir bien. Et ce qui va se passer avant que tu te réveilles, eh bien, ta main va se coller sur ta tête. 1, 2, 3, complètement collée. Tu ne pourras pas la décoller. 1, 2, 3, même une fois réveillé. Alors, comment tu vas, Johan ? Ça va. Il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe, là ? Si. Enfin, je vois. C'est-à-dire ? Dans le retour, là, j'ai pas ma main qui est. Oui. Alors, tu as eu de la chance que je la mette là. J'aurais pu la mettre, je sais pas, sur ta bouche, par exemple. Ouais. Hein, j'aurais pu faire pire. Voilà. Donc, alors, il y a deux solutions. Soit je te la laisse toute la journée, comme ça. Non, ça va être embêtant pour manger. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, je comprends. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais compter à 3. Au chiffre 3, tu vas pouvoir enlever ta main. Mais il va se passer autre chose au niveau de ta gorge. C'est-à-dire que tu vas commencer à sentir quelque chose. Tu ne pourras plus émettre aucun son. 1. Ta main va commencer à se décoller, mais les sons ne vont plus sortir. 2, 3, la main se décolle complètement maintenant, et les sons ne sortent plus de ta bouche. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Johan ? Mais non. Voilà. Alors. Il ne sait pas qu'il ne parle pas ? Alors, voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, je vais compter à 3. Tu vas retrouver le son, mais les seuls mots qui vont sortir de ta bouche, ça va être coin-coin. 1, 2, 3. Comment tu vas, Johan ? Coin-coin. Voilà. Alors, c'est effectivement, je ne sais pas s'il a des choses de prévues après, c'est soit tout ce qu'il va dire pendant la chronique, ça va être coin-coin. D'accord, ok. Soit je le laisse comme ça. Oh bon, moi je veux bien essayer le coin-coin et puis tu pourras rectifier. Oui, alors pour l'instant, pendant tant que je ne te le dis pas, les mots qui vont sortir de ta bouche, ça va être coin-coin, même si tu es filmé. Et à partir du moment où je te dirai que c'est terminé, ça sera terminé, tu retrouveras ta voix normale. Et tout en restant avec ce coin-coin-là, Johan, tu peux retourner à ta place. Merci à toi. Merci beaucoup, Johnny. Mal. Vraiment, je peux dire un truc, c'est, j'ai vu. Ouais. C'est vrai, c'est hallucinant. Oui, parce qu'il y avait des doutes, hein, tout à l'heure, on disait, ouais, on n'y croit pas, etc. Mais, oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui croient et des gens qui n'y croient pas. Alors, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'être réceptif. C'est-à-dire, il y a des gens qui y croient sur qui ça ne marche pas, des gens qui n'y croient pas sur qui ça marche. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, et moi, réceptif. C'est extraordinaire. Hein. Voilà. Franchement, une soirée que j'avais faite de mon ancien métier... La salle était blindée de monde et une personne comme toi, franchement, mais je suis restée. Scotché. Mais c'est un truc de fou. Ouais, quoi. Quand il est arrivé, quand je l'ai vu faire ça, vas-y, il m'a demandé si. Non, moi je joue pas. Et j'ai toujours dit, pas en rêve, je joue pas. C'est plutôt, en fait, on a plutôt peur en fait de savoir ce que. Oui, voilà. Parce que c'est tellement marrant de faire. C'est incroyable. Quoi. Oh putain. Je suis désolée. Fais voir une image sur Johan, s'il te plaît. Oui, il faut le filmer. Fais voir. Ouais, hey, Johan, tu vas nous faire la chronique dans combien de temps ? Quoi ? et tout va bien, parce que tu vas rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents ? Quoi ? Ok, très bien. Bon, ben voilà, on est parti. Johnny, évidemment... Il fait un canard aussi, en même temps. N'hésitez pas à faire un canard. Oui, et ça fait quoi, un canard, d'ailleurs ? Quoi ? D'accord, ok. Johnny, vous pouvez évidemment aller sur son site internet. Vous allez johnnymal.net. Allez dessus, allez voir ses vidéos. C'est absolument extraordinaire. N'hésitez pas, dès que, évidemment, les salles réouvrent, dès que vous pouvez réorganiser des spectacles, dès qu'on peut retourner sur les planches, hein, en gros, appelez-le et vous allez passer une soirée extraordinaire. Vraiment, Johnny, merci beaucoup, rien que pour ça. Ouais. Et merci d'être là aujourd'hui. Et merci Alicia. Alicia, oui. De mardi, voilà. Oui, qui était là. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Absolument, un petit vraiment. Coucou Alicia. Oui, tu peux, vas-y, n'hésite pas. Voilà. La caméra tout est là. Tout à fait, ouais. Elle doit te regarder. Hypnotisée aussi, je me disais. Oui. Oui, c'est ça, tu l'as hypnotisée pour qu'elle parle de toi, voilà, c'est ça. Exactement, voilà, très bien. Ouais, en tous les cas, voilà, t'es le bienvenu, n'hésite pas. Dès que tu repasses dans Lyon, tu reviens nous revoir. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, évidemment, tu restes avec nous, tu vas jouer avec nous. Bah, j'espère bien, ouais. Et puis, dès que t'as envie, tu dis, tu lèves la main, tu dis, ah, Miguel, moi je veux faire un tour. Hop, boum, c'est toi qui viens. Bon, j'ai le droit de faire un tour quand je veux. Tu peux faire un tour quand tu veux.
parce que sinon Johan il est mal. Hein. C'est, oui, ouais, c'est ouais, ça. Voilà. On va voir si on va pas garder comme ça ouais, deux, trois jours. merci beaucoup. Et juste peut-être nous dire ce que tu préfères faire comment, dans ton métier. Est-ce que c'est plutôt le mentaliste, plutôt justement l'hypnotiseur, plutôt le magicien ou plutôt... Déjà, j'aime tout. Ouais. Mais ce que j'aime le mieux, c'est vraiment l'hypnose. C'est vraiment l'hypnose, ouais. Bah ouais, on, puis aujourd'hui, l'hypnose a pris, oui, ça a pris une petite décennie. Ouais, une et c'est ampleur. Très bien, parce qu'on peut faire des choses extraordinaires avec l'hypnose, du point de vue médical, parce que moi, je pratique aussi l'hypnose de soins, mais c'était impressionnant ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Ça marche sur le tabac, parce que j'ai vu que tu proposais ça aussi. Bah, le tabac, le poids, même, j'ai fait une séance à une personne qui avait de l'eczéma depuis sa naissance, une jeune fille de 16 ans. Je fais mon spectacle, et je vois bien qu'elle a un problème, parce que même le visage est atteint. Mm-hmm. Donc, je vais la voir après le spectacle, elle était avec ses copines. Je dis, si tu veux, je t'enlève ton eczéma. Ah bon, c'est possible ça? Bah ouais. Alors je la fais asseoir, je la mets sous hypnose et je la ramène au moment où elle a eu ce déclenchement de l'eczéma qui est dû à une émotion, qui est dû à un stress fort et donc à sa naissance. D'accord. C'est okay. Passé quelque chose à sa naissance, elle s'est mise à pleurer, elle ne le savait pas. Je l'ai revue deux jours après, tout son eczéma était sec et là ça fait deux ans, elle n'a plus une trace. Ah, 20 minutes, top chrono. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est l'hypnose, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va directement à l'essentiel. Alors qu'elle prenait plein de médocs, cortisone, machin, un truc, chouette, depuis 16 ans. Quoi. Ça y faisait rien. Incroyable. Voilà, ça faisait bosser son médecin. Mais, donc, c'est ça que tu préfères faire. Voilà, ouais. Mais l'hypnose, c'est extraordinaire. De plus en plus, on opère sous hypnose maintenant. Mmh. Ouais, il ne faut pas hésiter à aller vous faire opérer sous hypnose. Moi, je connais une personne qui s'est fait opérer de la carotide, il a suivi son opération par écran. Ah ouais. Ça ne sert à rien parce que l'hypnose ne veut pas forcément dire endormir. On peut anesthésier un bras. C'est-à-dire, je peux à Johan lui anesthésier une partie de son corps. Ouais. Et vous avez des fourchettes, un truc comme ça. On peut oui, planter. Oui, oui. Ou un truc pour faire chez sa copine, tu vois. Et il ne sentira rien. Oui, voilà. Et il ne sentira rien. Tu es d'accord, Johan? Quoi. D'accord. Donc, alors on ne sait pas s'il vient de me dire oui, non, mais oui, c'est un truc. Merci beaucoup, Jenny. Oui, peut-être une question. J'avais une question. J'ai vu que tu étais champion du monde de. Oui, j'ai fait un j'ai pas très bien compris. Si oui, j'ai fait un record où je suis resté en automate, comme ça, sans bouger. Champion du monde. D'immobilité totale pendant 24h05, exactement. Pendant 24h05. Ah. Est-ce que tu as hypnotisé les juges pour avoir ce record ou Non, alors tu t'es auto-hypnotisé. Oui, alors il faut savoir qu'ils se relayaient, parce qu'il y avait des médecins, il y avait des huissiers pour vérifier, mais eux ils se relayaient parce qu'ils s'endormaient, ils étaient fatigués. Johnny Mal est champion du monde de durée d'immobilité totale, ça pendant 24h05. Ouais, tu le fais pas mal, c'est bien. Pendant 24 heures. J'espère qu'il va pas nous la faire, là, parce que... Non, c'est parce que moi, tu as été inscrit au Guinness Book 1992-1993. Voilà, c'est ça. C'est le livre de la bière, ça. Ah, les gars, on parle une chose, voilà. Et évidemment, si tu viens faire un spectacle dans Lyon, tu nous le dis tout de suite. Bah, un, on en parle, deux, on vient le voir. Bah, tu fais des spectacles de 24 heures, quoi, voilà. En fait. C'est ça. Ouais, tu pourrais presque faire un spectacle pendant 24 heures. C'est chaud. C'est long, ouais. Ah ouais, c'est long quand même. Je le referai plus. Hein. Et tu sais comment tu te mets dans un état d'hypnose quand tu fais ça ou... C'est un état hypnotique parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'état hypnotique, le temps passe différemment. J'avais la sensation qu'il s'était passé peut-être 6 heures. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe quand les gens sont hypnotisés sur scène. Quand je fais un spectacle d'une heure et demie, deux heures, les gens, je les réveille et je leur demande, d'après vous, combien de temps vous avez été hypnotisé. La plupart me répondent 5-10 minutes. Ah oui, d'accord. Aucune notion du temps. Quoi. On perd, aucune notion du temps. Ils ne se souviennent plus de rien. Des fois, ils ne se rappellent plus comment ils s'appellent. Regarde-moi cette belle tête de Johan. Ça va, Johan? Ouais, quoi? Florian, peut-être une question. Pas mal, pas mal. À Jenny. Ah, oui. Non. On l'a, vas-y, mets-moi. On l'a. Tu chantes avec nous, Johan? Allez, vas-y. C'est la danse des canards. Vas-y, Johan. Le pauvre. Merci, Paul. Oh, le pauvre. Ça va faire du dossier, là. Hein, ça. Florian, une question? Non, c'était la même que notre cher ami Bonin. Ah d'accord. Oui. T'as bien fait de le dire, non? Bah oui, comme ça, Coco, dont j'ai pas besoin de répéter. L'habitude du monde de la nuit, du monde du spectacle, puisque je vous le rappelle quand même, Coco, c'était celle qui dirigeait à l'époque, quand on était jeune, l'Atlantide. Voilà. Jeune, oui. Ouais, absolument. Voilà, on était dans la grande salle. Aujourd'hui, maintenant, on va dans la petite salle des vieux, tu vois. Ouais. Les pures années, franchement, ces 15 années-là, ce sera à refaire, je referai la même en couleur. Et donc, tu en as. Ah, mais c'était en noir et blanc à l'époque? Ah, bah oui. Forcément.
Non, mais par contre, on peut faire un petit tour de mentalisme. Pas d'hypnose, mais on peut faire un petit tour de mentalisme. Coco. C'est à toi de jouer. Alors. T'as pas peur, hein? Non. Alors, je vais te poser une question. Ouais. Sans les minutes, ton heure de naissance. Prends plutôt peut-être celle-là, Sébastien. 3h05. 3h, pardon. 3h. Ouais, enfin, 3h. Alors, regarde, là, j'ai juste un... Ici, et en fait, j'ai une photo, d'accord? Il faut savoir que c'est du plexiglas, d'accord? D'accord. Et donc, ce plexiglas-là... J'ai peur. Tu vois? Il y a une photo qui est prise dans ce plexiglas, d'accord? Et donc, il y a une horloge, hein? Et si tu regardes bien... Mais je dis pas qu'il y a 3 heures, si tu regardes bien l'horaire de l'horloge... Mais non... C'est... Oh, mais c'est un fou, ce mec. 3 heures. C'est marqué 3 heures sur la pendule. C'est pas vrai. Je te jure. Et je suis née un 1er avril. Alors ouais. Oui, c'est, je suis la blague de la famille, certes. À 3h05. C'est bien, c'était prémonitoire. Ouais, mais voilà. Ça, faut pas le dire. Donc, 3 heures. Oh, c'est top, franchement. Franchement. D'accord. Ouais. Allez, parce que là... Attention. Et hop là, petit coup, Johnny. Ah bon, allez, pour le fun. Pour le fun. Ah oui, d'accord. Voilà. Chapeau. Ah ouais. Donc là, c'est ton petit... Ça, c'est du mentalisme. C'est du mentalisme. Ouais. D'accord, très bien. Et avant d'être mentaliste, est-ce que tu as fait la liste de tout ce qui était mental pour le faire ou... Oh putain, ça va être long. Bon, alors on continue, donc on reviendra évidemment vers toi, Johnny. Il m'embrouille, là. Oui, exprès, justement. L'origine des expressions, merci beaucoup Paul. Je crois qu'il y a un petit truc, ouais, c'est pas grave. Il n'y a que nous qui l'avons vu. J'ai une question, il va obligé de répondre, comment on fait? Johan, il va être très certainement, c'est surtout que c'est sa chronique d'après. Après c'est son tour. Donc, alors, c'est on verra à ce moment-là. C'est toi qui dis, voilà, absolument. En attendant Salomé, il y a eu quelques expressions qui ont été balancées tout au long de ce début d'émission. En l'occurrence, je crois que c'était quoi les tiennes? En voiture Simone. En voiture Simone, chauffe Marcel. Alors, c'est quoi l'origine de toutes ces expressions? Cool Raoul. Alors, pour commencer, je vais dévoiler l'expression du public. Oui, parce qu'il n'y a personne qui a trouvé, là. Ah. Là, il y a Nathalie qui est avec nous, qui dit « trop flippant l'hypnose ». Et elle dit « est-ce que ça marche pour les cheveux blancs ?» Je sais pas pourquoi elle dit ça. Et elle nous dit « qu'est-ce que... » Ah oui, je l'ai vu dans... Incroyable talent, voilà, elle t'a vu, voilà. Ah, c'est elle. Absolument, c'est elle qui a regardé, ouais, c'est ça. Ah oui, hein. T'as quelque chose à dire, Johan? Quoi? Il va m'en vouloir à moi. Ah oui, c'est sûr. Et l'expression a été popularisée par Jean de La Fontaine dans La laitière et le pot au lait qu'on a vu à la dernière émission. Ah, je n'y pas, là. J'étais en fonction, donc... Je vais transformer Johan en vachette. Absolument. Ah, ça serait pas mal. Tiens, hop, il va nous juste te barrer, là. Bon, vas-y, Salomé. Et alors, il y avait une troisième animatrice qui s'appelait Simone Garnier. Oui. Simone, est-ce que tu m'entends, Simone? Ouais, c'était souvent ça, ils avaient un problème de communication. Ouais, elle arbitrait apparemment. Ça faisait un peu Gilbert Bécaud, là, quand même. Ah, pardon, autant pour moi. Ouais, je suis coincé. Et on lui lançait pour qu'elle démarre en voiture Simone. Et c'est comme ça que, pour lancer les accords de jeu, c'est comme ça que l'expression a été popularisée. C'est assez récent, finalement. Ouais. L'expression, pleurer comme une madeleine. Non. Ah, de Frédéric. Breton, c'est breton, ça. Ça, c'est breton, ça. Non, ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Ça vient du fait... Ça ramène à Marie-Madeleine qui pleurait la mort de Jésus. D'accord, ok. D'où l'expression « pleurer comme une Madeleine ». Incroyable. Ah, t'as un concurrent direct, Salomé, t'as vu. Vas-y, continue. Bah, merci pour ces expressions. Ah ouais, j'en ai d'autres. Ah ouais, j'en ai une qui est pas mal, c'est comme, d'où l'expression « casser sa pipe ». Est-ce que tu sais? Non. Ça vient de l'époque napoléonienne, où il y avait tellement de gens, on ne savait pas s'ils étaient morts ou pas, on leur mettait une pipe dans la bouche. Et si la pipe tombait, ça veut dire qu'ils étaient morts, c'est-à-dire que la mâchoire se détendait, et il avait cassé sa pipe. Okay. D'accord, ok. Casser sa pipe, donc c'est effectivement, il est décédé. Quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Allez, Salomé, à toi. Pas mieux. Alors, merci beaucoup, on applaudit Salomé à Lyon, parce qu'on l'a bien enquiqué. Elle a du mérite, Elle a gardé le cap. Attention. Il y en a un autre qui, on ne sait plus sur quel, s'il est sur bâbord, tribord, on ne sait pas trop. Bobor. Justement, Bobor, peut-être, oui, Bobor. Eh bien, c'est justement ta chronique, Johan. Nous allons parler d'une application. Ah. Eh bien, jingle, hein, on va voir ce que ça donne. L'application, Johan, s'appelle Waze. Ça s'appelle comment? Coin. Oui, ça s'appelle comment? Coin. 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 Allez, ben, on t'écoute. Alors, oui, alors tu vas faire toute la chronique comme ça?
coin. Oui. Bon. Je vais compter. Attends, je vais. Oui, bah oui, le coin. Je vais compter à 3, au chiffre 3, tu vas pouvoir retrouver à nouveau ta voix. 1, 2, 3. Voilà. Et je réponds à toi. Bravo à toi, Bob. Et Johan, pardon. Donc là, ça y est, il est débarrassé de tout ça. Non, il pas est pas complètement. S'il suffit que je prononce encore les mots ouais. pour qu'il retombe dans l'état soit d'hypnose, d'accord. soit il se met à rire, soit il n'a plus de voix. Ok, donc ça, ça reste. Donc là, en attendant, ça va, Johan, tout va bien ? Oui. Ça va. Voilà. Opérationnel pour ta... À la fin de sa chronique, oui. je pourrais le remettre sous hypnose, ça sera terminé. Ok, très bien. Bon, on finira comme ça, d'ailleurs, l'émission, ça serait parfait. Ça va, Johan ? Mais non. Mais... Allez, Johan, à toi de jouer. On peut pas remettre le jingle. Tu veux qu'on remette le jingle ? Ouais. Allez, on remet le jingle, voilà, ouais. s'il vous plaît. Et c'est terminé pour voilà, Johan. Sur le tout ça. Et c'est terminé pour Johan. Eclipse maintenant. Voilà. Oh, voilà. Mais non. Donc là, tu l'as de nouveau. Voilà. D'accord. C'est bien ça. Mais moi, comme ça me repose. Il faut savoir que 4 minutes d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Ah, cet après-midi, il y aura la patate. Ah, bah, c'est impeccable ça. Tiens, alors, tu vas me faire tout le monde. Ouais, mais moi, ça va. Ça va, Johan ? Il dort là. Non, là, il dort. Là, il est vraiment hypnotisé. Là. D'accord. Voilà, je vais compter à 3. Johan, tu vas retrouver ton état normal. Tu vas être complètement réveillé, en pleine forme. 0, 1, 2, 3. Voilà, complètement réveillé. Ça va, Johan ? Bah ouais. Ouais, un peu cap, Johan. Merci. Hein, pour, on l'applaudit très fort, Johan, pour ton application. Tu as terminé là, ça y est ? Oui. Ouais, très oui, bien. Oui. T'es sûr, hein, tu veux pas la refaire ? J'aurais pu lui faire croire sous hypnose qu'il n'avait pas encore commencé. Exact, on aurait pu préparer. Voilà, tu reviendras, Johnny, tu reviendras. Plaisir. Même si tu ne l'aimes pas, je peux te mettre sous hypnose. Oui. Faire en sorte qu'elle est en face de toi, tu vas l'adorer. Non, je ne veux pas. Mais c'est possible. J'ai donné. Ah, c'est génial. Ah, oui. Donc tu vas avoir un gage. Du coup, tu vas avoir un gage. Du coup, comme tu n'as pas tout bon, c'est toi qui as le gage. C'est ça. Voilà. Attention, éclipse maintenant. Éclipse, voilà. Et encore plus profond que tout à l'heure. Je vais compter à 3. Tu vas tomber dans un état tellement profond. 1, 2, 3. Il va se passer un miracle. Dans quelques instants, eh bien, tu vas voir, non, avec les lunettes, c'est mieux. Tu vas voir en face de toi un rêve qui va se réaliser. Eh bien, Bernard, tu vas voir dans quelques instants, au chiffre 3, quand je vais ouvrir les yeux, mais tu ne vas pas en revenir. Parce qu'il est là pour toi. Non, c'est bon. Il est là pour toi. Et vraiment, ça sera un moment vraiment tellement important, fort pour toi. Au chiffre 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas voir qu'en face de toi, eh bien, il y a un des acteurs d'Harry Potter, qui est venu spécialement pour toi aujourd'hui. Attention, 0, 1, 2, 3, tu ouvres tes yeux, regarde, il est là, c'est lui. Bravo, merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, je sais pas s'il comprend le français. Est-ce que tu le reconnais ? Do you recognize me ? Oui. C'est qui ? C'est Hermione. Ouais ? Ça te fait quoi de le voir en vrai ? Bah, ça me fait bizarre. Parce qu'il est venu pour toi, parce qu'il sait que tu es fan d'Harry Potter. Ok. Donc tu as gagné un voyage complet au pays d'Harry Potter, et donc c'est formidable. Ok. Un autographe, tu veux un autographe, ouais, Johan de... Un autographe, il veut bien un autographe. Ouais. Profites-en, parce que... Ouais. Ça te fait quoi alors, Johan, de voir... Vous abusez, enfin, je m'y attendais pas. Oh, c'est touchant en fait. T'es ému, on te sent ému. Ça fait longtemps que tu regardes du Harry Potter, c'est depuis tout petit. Ah oui, depuis des années, enfin... Et ce personnage-là, c'est un personnage qui compte pour toi dans ouais, le film. Ouais, bah oui. T'es content ? Oui, oui, je suis content. Oh, il est ému. Bah oui. Ouais, il est ému, hein, Eclipse. Hop là, voilà. Merci. Merci, Johnny. Donc, je vais compter à 3. Au chiffre 3, tu vas retrouver ton état normal. Et même si je reprononce le mot éclipse, ça ne fonctionnera plus. Même si je prononce, si je dis comme, ça ne fonctionnera plus. Tu vas vraiment retrouver ton état normal et ma voix n'aura plus aucune influence sur toi. Et tu seras en pleine forme. 0, 1, 2, 3. Tu es complètement réveillé. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Eh, bravo, Johnny. Bravo, Johan. Comment ça va ? Ça va. Ça va, tout va bien ? Oui. Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé ? Ouais. Tu peux nous raconter ? Tu peux nous raconter ? Ouais. Bah voilà, c'était... Vous l'avez vu, je crois. Bah dis-nous ce que tu ressens. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment t'as vécu ça ? C'était bizarre. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est moi qui ai du mal à lâcher prise d'habitude. Là, c'était une nouvelle expérience. C'était fou. Tu te sens comment ? T'as chaud ? T'as froid ? Je sais pas. Ouais, je suis fatigué. Ouais, t'es fatigué ? Ouais, je suis fatigué, je sais pas.
J'ai faim aussi. Mais ça, c'était parce que... Mais voilà. Tout le monde a faim, en fait. Eh ben, je sais plus où l'on est, parce que du coup, on est sur toi. Eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste quoi? Il nous reste le blind test, évidemment. Eh ben, le blind test, c'est un spécial années 90. Tu joues avec nous, Johan? Ça va, tout va bien? Ouais, ça va. Ça va, tout va bien. Tu veux de l'eau? Tout va bien, Johnny, là? Oui, rien, là. Ouais, ouais, faut... Bon, c'est moi qui ai besoin d'être sûr, en fait. Apparemment. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que je le rende à ses parents entiers, quand même. C'est ça, ouais. Allez, blind test, on va jouer en musique. C'est un truc de fou. Ok, ouais, l'hypnose, c'est vraiment un truc de fou. Je suis content qu'on vive ça ce midi. Voilà, ça s'est un petit peu fait tout ça à l'impro avec Johnny et Alicia. Et bah, tu vois, tu nous as fait vivre un moment extraordinaire. Et, bien, et c'est ce que tu fais vivre voilà, quand tu es en spectacle à tout. Oui, tout oui, ton oui, public, oui, tout à fait. Oui, il y a des choses hallucinantes. Là, c'est un petit extrait, mais il y a des gens qui vont téléphoner avec leurs chaussures pensant que c'est leur portable. Il y a des gens qui vont tomber amoureux d'une chaise. Ah ouais? Et si jamais je leur enlève la chaise, ils se mettent en colère. Ils se mettent, il y a même quelqu'un qui a fait devenir violent envers moi. Ah ouais, ouais. C'est à moi. C'est, voilà, puis, après, ils continuent à l'embrasser. Enfin, il y a des sketchs comme ça qui sont faits. J'ai même, dernièrement, j'ai hypnotisé une femme, elle ne se souvenait plus de son prénom, elle ne savait plus compter. Elle ne savait plus comment elle s'appelait. Elle a téléphoné avec sa chaussure. Oh, elle a fait plein de choses et je ne sais pas pourquoi je ne le fais jamais. Je dis, qu'est-ce que vous faites comme métier? Elle me dit, ben, je suis choqué quand même parce que je suis médecin. Et elle n'y croyait pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ça a transformé sa vie complètement. Parce que là, elle est obligée d'y croire, elle l'a vécu. Ah ouais, bien sûr. Ah. Et donc, voilà. Est-ce que tu as prévu de faire un tour à l'Assemblée? Si, c'est bien sûr, c'est prévu, bien entendu. Mais tu peux... Ça, on va faire pour faire en sorte que tous les gens soient déshypnotisés, plutôt. Parce que c'est ça qui se passe. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un plan, si tu veux bien, comment Frédéric, me faire un plan seul sur Johnny pour que vous voyez bien, voilà, à quoi ressemble Johnny Mal. Voilà, n'hésitez pas surtout à aller sur son site internet, johnnymal.net, aller découvrir ses vidéos et surtout, dès que vous pourrez, je pense aux organisateurs de spectacles, ceux qui ont des salles, etc., ou même à des associations qui organisent régulièrement des spectacles dans les salles des fêtes. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et n'hésitez pas évidemment à le programmer parce que c'est incroyable. Et encore, on voit pas tout là, c'est juste un extrait d'un petit truc quand même de tout ce que tu es capable de faire, de tout ce que tu es capable de faire sur scène. Oui, il y a plein de choses, mais effectivement, les gens peuvent découvrir sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos. Ils tapent Johnny Mal, ils voient ma chaîne YouTube, il y a tout. Voilà, super. Tu aimes la musique? Bien sûr. Petit blind test, des années 90, ça te dit? Ah bah oui, quand même. Eh ben super. Le non, blind non. test, tout le monde... Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Pour les Belges, pour les Belges. Absolument. Salut, mais les Belges, on voyage ici. Ah, encore, à ce que bon ça, zouké. C'est beau ça. Ok. Hein? J'étais pas... Quand j'ai répondu au quiz. Tu veux dire quoi? T'es encore sous hypnose un peu? Ouais. T'attends encore un petit peu, ouais, c'est normal ça. C'est normal, merci beaucoup. Johnny, vous le retrouvez sur, pour le moment, internet, sur son site internet ou sur YouTube. Vous tapez johnny.net, johnnymal.net, et vous allez retrouver tout ce qu'il fait, tout ce que voilà. Et il est prêt à bondir. J'imagine que tu as déjà un petit peu de dates qui se repoussent, mais qui vont revenir, j'imagine. Les seules dates que j'ai, c'est celles que je mange le matin. Tu vois, d'accord, donc voilà, donc, ça marche. Merci en tous les cas d'être venu nous voir, Johnny, c'était vraiment tu cool. Peux les on peut applaudir. Demain. Oui, je vais compter à 3 et tous les spectateurs vont être endormis. Johnny Mal, merci beaucoup. 4. Chaîne, même heure, midi 10, hein, n'hésitez pas, voilà, à partager tout ça. Ciao, bye bye, à demain et surtout. Sortons couverts! Et demain, va mieux qu'une. Ouais, bonsoir.